Si on, si on, bah, on victoire et puis nous avons Coupe du Monde. On victoire, vous avez pas équipe par groupe. Non, yo fait petit barrage à part, même avec Europe là. Côté que gain semi-finale, gain finale. Et on fait la fonction de classement FIFA. Rete 4 dernières places. OK. Normalement on est Haïti gagne Sénégal avec Chili dans groupe là, mais les gars là dedans encore. Non, nous fait semi-finale avec Sénégal. OK. On fait match dans la quali. On a la finale sous bat sac bat la quali. Pas que match nul. Faut qu'on gagne. Chili pas un gros niveau dans le football féminin. Oui, mais nous-mêmes nous t'es passé match Jamaïque là, son match nul qui pour te qualifier nous. Nous prenons 4-0. Moi, j'aime bien qu'il y ait ici. Et c'est le plus gros problème avec le football haïtien. Lors d'une expérience, lors de mettre un espoir sur eux ou dessus, lors de pas mettre aucun espoir sur eux. Mais ça, c'est vrai, le match, nous avons deux merveilleux qui ont trompé nous tous. Et tout le monde a fait ça, tu es trompé. Il n'y a pas de bon du tout. Pendant que merveilleux Jamaïque, là, il même joué dans City, ou bien dans Chelsea. Il casse le match. Non, pas besoin. Il casse le match là, mais nous. Au samedi tout, l'un d'entre analyser avant match Haïti. Juste à regarder les joueurs, nous, faire jouer Jamaïque. C'est un mode de différence, oui. Non, pas qu'on joue, pas nous, pas qu'on joue. Parce que nous, même notre tête, pas nous. Nous toujours une logique, nous piquons jouer que tout le monde. Pendant que l'autre paramètre nous ne pas maîtriser. Pas le physique là. Si ça me les 4 jachos. Joueurs haïtiennes qui ont marqué là. Et l'Albali, oui. Oui. C'est l'Albali. Mais Wassel, mais Hôtel, contre le marqué. Ça veut dire que ça, moi, je crois que match Jamaïque là, nous prenons 3 haut. Le fait que nous avons battu Mexique, Mexique n'a pas de niveau vraiment dans le football femme. Non, et physiquement nous avons dominé Mexique. Claire, qui vient de faire que nous pensons que nous allons battre Jamaïque. Pour le Jamaïque, non seulement nous allons jouer, et puis nous avons un avantage de loin sur nous qui s'est battu cette question. Mais Chilien, nous n'avons pas battu l'éthique. Nous n'avons pas de niveau. Nous allons arriver en Amérique du Sud, football féminin pour Chita. C'est Brésil qui Chita. Oui. Reste qui veut pas Chita. Reste qui veut pas Chita. L'Argentine, même dans le football féminin. Et après, pourquoi après Brésil, c'est l'Argentine. En Amérique du Sud, là. Ils sont battus en Chili en 4-0. C'est ça que fait m'dou que je pense que l'équipe haïtienne, tu supposé. Parce que pour moi-même, le football haïtien, au niveau féminin, devant Chili. Et il y a un résultat étonnant. Canada bat Brésil, le football féminin. Oh, il n'y a pas étonnant, non? Il n'y a pas étonnant, non? Canada pas passé. Oui, il n'y a pas étonnant. Non, mais c'est une époque où Brésil était devant. Oui, mais génération Brésil l'a fini. Mais Brésil, sont faux devant. Brésil, son génération a pris, j'ai tout. Là, même dit, j'ai Brésil. Sont faux devant. Oui, sont faux. Brésil, pas j'aime bien, non? Oui, mais c'est talent. Ouais, ton bel talent. Mais ouais, c'est ton bel équipe. Il n'y a pas gagné les Jeux Olympiques, il n'y a pas gagné Coupe du Monde. Il a toujours perdu devant Allemagne ou bien. Les États-Unis, il a dit, il a perdu devant Diego tout. Depuis qu'on passe dans le domaine. Mais qu'on a l'autre point en termes de football. Génération Mata, bon, on lève les yeux. Mata, mais quand je dis tout le monde, mais on est là, il n'y a pas qu'à gagner. Mais Génération Mata a fini, mais c'est comme ça, regarde, je toujours. Formiga là, toujours. À 41, gagne. Les mesdames, ça va aller, il paraît que le football brésilien a tout cassé. Ça crive, mais ça a gagné les fois parce qu'on a passé. Brésilien ou pas, regardez ça, Américain, fait le football féminin. Le football féminin, et ouais, les États-Unis, il a toujours gagné, devant tout le monde. C'est un bagage terrible, bagaille ça. Yo fait moi-même les aux États-Unis les vacances. M'a regardé sous terrain football et l'école football. Yo fait tifio je vais attirer. Non mais son loi oui qui établit ça. Au football femme dans le football garçon. Son loi qui de loi monsieur. Son loi qui établit ça en 1972, Title 9. Title 9 là OK, nous avons son loi OK fédéral qui voté dans et parlement côté que dit que quel que soit l'école, université qui a recevoir l'argent de l'État, il faut limiter l'argent et dans le sport masculin et dans le sport féminin. Et consacrer dans l'américain, que tout ça tombe, fait sport. Et je dis exactement. Au niveau football, là, il y a tellement de monde qui veut pour arriver à la sélection, il faut faire en pile. Il faut qu'on joue en pile. Il faut qu'on joue en pile, il ne faut pas arriver comme ça. C'est vraiment ça parce que même le fait depuis le 91. Football féminin, commencez abdominal. L'Allemagne fait coup, la Chine fait un coup. Non, l'Allemagne va faire coup, nous, on va. Non. L'Allemagne, c'est une grosse équipe. Parce que l'Allemagne, champion de Coupe du Monde. 2003, 2007, avec non, avec l'Allemagne fait avec Brigitte Prince. Non. Non, en Europe, je savais que l'Allemagne qui l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne, de l'assassement de lui fait coup. Mais c'est États-Unis qui nous mettent. Les États-Unis, même Chita. Deux dernières Coupe du Monde, c'est OK. Chita. Oui, oui. 2010, les États-Unis, ils sont forts. Ok, ça fait le Canada, ok, ça fait le France. 2015, 2019. Et il y a toute l'équipe en Europe. Je et Olympique, là, tu es OK. Il y a Olympique, là. Et ça me dit, il y a même dominé net aller. Mais c'est que là, il y a toujours un joueur, par exemple, il y a un Abby Wambach.
Il y a Carly Lloyd. Et puis il y a Megan Rapinoe. Avant, il y a Tiffia. Et Miam. Miam. Avant, Miam, il y a Kez. C'est le premier. C'est le premier. Elle est par la Chita. L'autre pays, il n'y a pas Chita comme ça. Mais les générations américaines, ça qui est mon style. Okay. Soit jouer contre Haïti et éliminatoire. Y'a petit petit, y'a okay. Petit gros ben nan tout kon jouer. Oui. Petit gros ben nan ou ben gros petit fil. Parce que le madame, le madame Carly Lloyd et Alex Morgan yo, allez, ok. Alex Morgan toujours là. Il est toujours là. D'ailleurs, il fait gol contre Haïti.